Salut, je m'appelle Geoffroy Dubreuil. On est au Béton Fire 2012 à La Plagne. Je viens du roller agressif à la base, donc j'ai pas l'habitude de descendre vite, de mettre des rollers 5 roues. Mais grâce à l'association La Fièvre, j'ai eu la chance de venir ici. Et c'est juste une première expérience énorme. La sensation, elle est folle. Et je viens juste de mettre le pied dans quelque chose dont je suis complètement accro. Et je vais forcément revenir aux autres étapes de ce Béton Fire. Pour cette première édition en 2012, le défi était grand. C'est un défi pour les riders déjà qui se balancent dans la piste, mais c'est un défi aussi pour les organisateurs. On était accompagné de la marque Seba et de Philippe, le fondateur du Béton on Fire. Donc on a eu plus de 50 riders, c'est une très grande réussite. Ils sont prêts à revenir déjà pour l'année prochaine, voire à faire des camps d'entraînement. Ils sont amoureux de la piste et je pense que La Plagne, dans la stratégie événementielle, on va continuer l'aventure. Cold glimpse of her grace, slightly misplaced. She's Gerber, skater depuis un certain nombre d'années, 15 ans à peu près, membre de l'association URA, Union Rurale à Roulette, qui accueille à peu près tout sport à roulette. Passionné de descente et heureux invité de la piste de La Plagne. Pour l'instant, j'ai le premier temps avec 4 secondes d'écart avec le deuxième. Mais bon, en même temps, je ne sais pas, il en a peut-être gardé sous le pied, c'est possible. Mais de toute façon, une première ou deuxième place, je suis tellement heureux d'arriver à descendre là-dedans que c'est pas très important. Alors, le buggy rally, c'est un truc que j'ai inventé en 1994. C'est une armure avec des roulettes partout. Des roulettes au pied, aux genoux, sur le dos, sur le ventre et sur les bras. Je roule dans tous les sens. Ma participation au Béton Fire La Plagne, c'est important pour moi parce que je pense que pour le développement du sport du buggy rally, c'est un endroit qui est génial. C'est un endroit où tu peux apprendre à participer, tu peux apprendre à rouler en partant du bas et progresser petit à petit. Ensuite, en buggy, on peut vraiment choisir ses trajectoires, aller très haut ou très bas. Et je pense que c'est un peu moins risqué que sur un skateboard ou un roller. C'est vachement stable dans l'armure. Et donc, pour le béton, moi j'espère qu'on arrivera à ouvrir plus de pistes de bob. Non seulement ici à La Plagne, mais aussi par exemple en Italie ou dans d'autres pays, et faire un tour vraiment important.
In Altenberg, I was injured. I couldn't start there, so I'm happy to be here in La Plagne, and it's great to win this race here against Philipp and the other strong riders. So it was getting closer. They are only 1 or 2 seconds behind me, so I had to push a lot in the final. I wanted to go under 1 minute, like in one training run, but it doesn't. It doesn't come under 1 minute, but I'm happy to have the injuries and to win this great race here in La Plagne. No, I took the second place today, but I tried to fight for the first place. But if you try to catch Daniel, then sometimes you fall on the ass. And this is what happened in the last run. I was close. I think it's like really the closest I came to Daniel, so I'm really satisfied. And that was really cool. Well, actually, I was really surprised that one of the guys was really so much faster. He took me, I don't know, 4 seconds or something. It was really fucking fast, I have to say. But he was really fast, and it was impossible for me to catch up with him. So, I could have catched Sepp Chomy. Maybe if I did not drink so much yesterday tonight, or it was a little bit long, it was until 4:30 or something. So that's your fault. Yeah, of course, it's my fault. It's a competition. No, of course, it's my fault. So maybe I should not have drink so much. But anyway, it was a good party, so it was okay. But again, so thank you for 2012, and see you in 2013. Thank you very much.